Une personne contemplant le ciel d'une nuit claire, regardant avec respect les étoiles qui percent l'obscurité. Un tel spectacle à couper le souffle la pousserait naturellement à se demander comment l'univers que nous appelons chez nous a connu son commencement et quelles sont les lois qui le gouvernent. Comment l'univers a commencé est une question qui a toujours fasciné les gens à travers les âges. Plusieurs scientifiques et penseurs s'accordent sur une vérité concernant l'origine de l'univers, à savoir qu'il a eu un commencement, qu'il a été créé. Cependant, en Europe du XIXe siècle, certains cercles commencèrent à véhiculer un discours à l'encontre de cette vérité. La base de leur raisonnement était une croyance proposée initialement par des philosophes grecs, une croyance appelée matérialisme. Ce système de croyance considère la matière comme la base absolue de l'existence, rejetant ainsi l'existence de toute autre chose. Les matérialistes du XIXe siècle, sous l'influence de certains de ces philosophes grecs, ont voulu appliquer cette croyance à l'astronomie et ont prétendu que l'univers n'a pas eu de commencement et qu'il a en fait existé depuis toujours. De cette manière, ils ont également renié l'existence d'un créateur. Des années plus tard, cette croyance matérialiste a été réfutée par la science du XXe siècle. Les calculs et les observations des scientifiques ont montré que l'univers a été créé par une énorme explosion, il y a quelques 15 milliards d'années. Le monde de la science a été amené à accepter le fait que l'univers a été créé. La science trouve Dieu, crie la couverture du Newsweek magazine.
Maintenant, revenons dans le temps, au début des années 1900, et voyons comment la théorie du Big Bang a été développée. Le calendrier affiche 1929. Utilisant un four industriel, le plus grand ayant jamais été construit, les travailleurs étaient en train de construire un miroir colossal. Ce miroir géant devait être monté sur un télescope qui était plus grand et plus puissant que les anciens modèles, et le télescope était destiné à être utilisé à l'observatoire californien du mont Wilson, qui a été témoin de l'une des plus importantes découvertes de l'histoire. Edwin Hubble, un éminent astronome de l'époque, était la personne derrière cette grande découverte. Hubble avait préalablement découvert des galaxies en dehors de la nôtre, la Voie lactée, et a révolutionné ainsi le regard de l'humanité sur l'univers. Il avait fait cette année une autre grande découverte avec ce nouveau télescope à l'observatoire du mont Wilson. Après des mois d'observation, il a remarqué que la lumière provenant des autres galaxies tendait vers le rouge. Cette source rouge avait une signification physique. Selon les lois de la physique, le spectre d'une source de lumière qui s'éloigne du point d'observation vire graduellement vers le rouge. Du coup, cette observation révélait un fait qui était inconnu auparavant. Toutes les galaxies de l'espace s'éloignent de la nôtre. Cette découverte a eu d'importantes répercussions dans le monde scientifique. Bientôt, la science allait confirmer une réalité très importante. Hubble était sur le point de faire une autre découverte importante. Les galaxies s'éloignent non seulement de la nôtre, mais également les unes des autres.